Congratulations. We are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Please find enclosed a list of all necessary books and equipment. The term begins soon. We will be awaiting your owl. Eh bien, salut tout le monde, c'est Antox. Bienvenue pour cette nouvelle série. Bienvenue sur Harry Potter Hogwarts Mystery, les mystères de Poudlard. Pour vous faire un résumé rapide de la situation, nous sommes 7 ans avant l'admission de Poudlard de Harry Potter. Donc Harry Potter a 4 ans, en toute logique. Et il y a pas mal de personnages qui sont créés dans le jeu et d'autres qui sont dans le monde d'Harry Potter en temps normal. Je pense notamment au professeur ou à Hagrid, Rusard, Dumbledore, McGonagall, Rogue. Flitwick, même si on le voit pas tout le temps dans Harry Potter. Il y a aussi Rusard, le concierge. Pas sûr qu'on... Je crois pas qu'on voit le professeur Quirrell. Ni Gilderoy Lockhart, je crois pas qu'on le voit. Par contre, c'est sûr, on voit Lupin, le professeur de Harry Potter 3 qui se transforme en loup-garou. On a des personnages qu'on voit 7 ans avant Harry Potter. Je pense notamment au Weasley, Bill et Percy, ainsi qu'au Charlie, les trois grands. Et puis Fred et George quand ils sont tout petits. C'est ça qui est mignon. C'est juste avant que Ron et Lily intègrent Poudlard en même temps que Harry. Alors, on a le choix entre une sorcière ou un... sorcier. On va... Moi, j'ai bien envie de prendre une sorcière. Pour l'originalité. Bon, j'attends que ça s'affiche. Si ça veut bien.
On va faire les yeux verts. Voilà. Le mec, il fait son propre perso au hasard, sans avoir vu le chargement complet de son perso. Voilà, c'est beaucoup mieux. Rohan. À ne pas confondre avec Eric. C'est vraiment Rohan Khanna. C'est son prénom, c'est pas son nom de famille. Hein. D'ailleurs, grosse pensée à Rick Rohan qui nous a quittés. Bonjour, je m'appelle Eric Rohan. Toi aussi, tu te prépares à l'école de sorcellerie Poudlard? Oui, mais le chemin de traverse est un peu déroutant, je ne sais pas par où commencer. Je peux t'aider, j'ai lu l'histoire de Poudlard pour préparer ma première année, alors je suis un peu une experte sur Poudlard. Tu devrais commencer par trouver les livres dont tu as besoin, c'est Fleury et Butt. Fleury et Butt a tous les livres dont tu as besoin. Va les y acheter. Alors, j'ai déjà une idée de la maison que je vais m'installer. J'ai déjà l'idée de la maison où je vais prendre. Je vais pas vous le dire tout de suite, sinon c'est pas drôle. Déjà, je vais pas prendre Poussoufle, je vous le dis tout de suite. J'ai trouvé tous les livres de ma liste. Je vais voir si Rowan peut m'aider à trouver le reste de mes fournitures. Merci pour ton aide, Rohan. J'ai réussi à trouver tous mes livres. Super. Au fait, je suis tellement contente de la Poudlard que j'ai oublié de te demander ton nom. Rebecca Barnes, non merci. Tracy Robinson, non merci. Bah, évidemment que mon nom peut changer. On va. On va l'appeler comment? Allez, parce que.
Rhea par rapport à Ripley. Et Ripley par rapport à Rhea. Non, je rigole. On va l'appeler Rhea. Et nom de famille. Je réfléchis. Belly, non mais sérieux. Allez, tu sais quoi? Voilà comment on va l'appeler. McGregor. Non mais, si ça, c'est pas classe. Rhea McGregor. Je m'appelle Rhea McGregor. Ravi de faire ta connaissance, Rhea. Ripley. Non. De même, j'ai tellement hâte d'être à Poudlard. Logique. Qui n'a pas hâte d'aller à Poudlard? Moi aussi, je n'ai pas arrêté de regarder ma lettre d'admission depuis que je l'ai. Je peux voir la tienne, mais bien sûr. On va... Cher Rhea McGregor, nous sommes ravis de vous informer que votre candidature à l'école de sorcellerie de Poudlard a été acceptée. Vous trouvez ci-joint la liste des livres et du matériel nécessaire. Les cours commencent le 1er septembre. Et nous attendrons votre bourre plus tard le 31 juillet. Députés, des ministres et Minerva McGonagall. J'ai déjà mes fournitures, mais ma mère m'a donné tout ce qu'il faut pour aller acheter quelque chose de spécial pour l'école. Je veux que tout le monde sache que je suis une vraie intellectuelle en passe de devenir préfet en chef. Qu'est-ce que je devrais acheter, à ton avis? Un chapeau classe. Un chapeau classe, ça t'irait bien. Pendant que j'achète mes vêtements, tu devrais acheter ta baguette chez Ollivander. J'ai aucun chapeau, mais aucun éclat. J'ai oublié de lire. Mais aucun éclat. Et là, le moment mythique. Ollivander. Je n'arrive pas à croire que je suis vraiment de la boutique d'Ollivander. C'est ici que tout le monde achète la première baguette. Bonjour, je m'appelle Garrick Ollivander.
Vous êtes là pour recevoir votre première baguette, n'est-ce pas? Les pistes qu'il faut pour vous, bois de palmier, cœur en votre écule de dragon, 23 cm, rigide, allez-y, essayez-la. Excusez-moi, ce n'est pas votre faute, c'est la baguette qui choisit le sorcier. Et celle-là n'est clairement pas faite pour vous. Je me souviens que votre frère a fait exploser mon encrier préféré quand il a essayé sa première baguette. Oui, nous avons un frère qui s'appelle Jacob et il a très mal tourné. Au point qu'il y a des rumeurs qui disent que il est associé avec celui dont on ne doit pas prononcer son nom. Vous connaissez mon frère? Oui, je me souviens de toutes les baguettes que j'ai vendues. La sienne était en bois d'érable, cœur de votre écule de dragon, 25,5 cm. Une belle baguette, dommage qu'il l'ait brisée en deux quand il s'est fait envoyer. J'ai cru comprendre qu'il avait fugué après son renvoi et il est introuvable depuis. Cela a dû vous infecter profondément. Il nous aimait, il aimait Poudlard, j'espère juste qu'il va bien. La sensibilité est peut-être une grande force, je crois que c'est la baguette qu'il vous faut. Boîte d'acacia, cœur en crin de licorne, 30,5 cm, flexible. Ça me rappelle la scène avec Harry Potter, cette scène. Comme par hasard. Formidable! Formidable! Tu étais formidable, j'étais formidable. C'était pour la blague, hein. Je suis curieux de voir quelle voie vous choisirez. Au revoir, j'ai hâte de voir ce que vous allez devenir. Vous inquiétez pas, je vais bien tourner. Au revoir, monsieur Ollivander. Non, merci. Salut Réa. Mon chapeau te plaît? C'est pas un chapeau, c'est un bonnet, mais bon. Ça te va bien, tu seras la première année la mieux habillée de Poudlard. C'était ton idée. J'avais pas dit un bonnet, j'avais dit un chapeau. Mais bon, c'est pas grave. C'était ton idée, je te recommanderais des conseils. Je te redemanderai des conseils de mode à l'avenir. Attends, tu as une baguette? Oui, comment es-tu au courant? L'exploitation forestière de ma famille fournit du bois pour les baguettes et les balais. C'est pour ça que j'aime rester à l'intérieur pour lire. Comme ça, je n'ai pas à aller dehors pour travailler. De ça, plus le fait que j'ai pas d'amis. On peut être amis. Tu me trouves pas trop bizarre? Les gens pensent que je suis trop bizarre. Les gens disent la même chose sur moi. Pourquoi est-ce qu'ils diraient ça sur toi? Mon frère est Jacob McGregor. Le Jacob McGregor qui se fait expulser de Poudlard pour avoir enfreint le règlement en cherchant les cames maudites. Ils avaient écrit un grand article là-dessus, dans la Gazette des Sorciers. Tout le monde à l'école connaît l'histoire. Je sais, et ils penseront que je suis bizarre. On sera bizarre ensemble. Qu'est-ce que tu veux que je fasse si quelqu'un t'embête en parlant de ton frère? Rien.
Ne fais rien, s'il te plaît. Je ne veux pas attirer encore plus l'attention sur moi. Je comprends. Je ferai comme si quelqu'un m'avait lancé un sourdinam. Content de rencontrer Rowan, ce sera chouette de voir un visage familier à l'école. Surtout si tu connais Baudelaire si bien. Moi aussi, Gréa. On se reverra en septembre dans le Poudlard Express. Bienvenue à Poudlard. Percé au sommet d'une haute montagne avec ses tours et ses fenêtres étincelantes, le magnifique château de Poudlard vous attend. On doit se rendre à la grande salle. Parfait. Bienvenue à Poudlard. Avant le bouquet de bienvenue, nous allons répartir les élèves de première année dans les différentes maisons. La cérémonie de la répartition est très importante. Considérez votre maison comme votre deuxième famille au sein de Poudlard. Les quatre maisons sont Gryffondor qui représente le courage et la courtoisie, Poufsouffle qui représente la bienveillance et l'assiduité, Serdaigle qui représente la spiritualité et la sagesse, et Serpentard qui représente la ruse et l'ambition. Chaque maison a sa propre histoire et chacune sont sorties de formidables sorciers et sorcières. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Salut Ben! Salut Charlie, salut aussi Barnabé et Tulip aussi, pendant que j'y suis. Bien, à présent, Réa McGregor. Très intéressant. Je n'avais pas vu comme ça depuis longtemps. Et de quelle maison aimerais-tu faire partie, hein? Gryffondor. Ah oui, je comprends à présent.
Dans ce cas, Gryffondor. Une Gryffondor, je n'arrive pas à y croire, je n'arrive pas à y croire, je suis bel et bien un Poudlard. Je ferais mieux de m'asseoir, le directeur s'apprête à parler. Bienvenue, bienvenue pour une nouvelle année à Poudlard. Ces dernières années, une grande menace qui pesait sur notre monde a été levée. Le garçon qui a survécu Harry Potter est en sécurité. Dans quelques années, il sera en âge d'entrer à Poudlard. Comme je viens de vous le dire, nous sommes, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, nous sommes 7 ans avant Harry Potter. Donc Harry Potter a 4 ans et Voldemort... ah pardon, j'ai prononcé son nom. Celui dont vous savez qui est, entre guillemets, faible à cause de ce qui s'est passé le fameux jour où les parents d'Harry sont morts. Mais pour l'instant, c'est votre tour. Souvenez-vous, à Poudlard, vous succès rapporte des points à votre maison, tandis que vos infractions lui en font perdre. À la fin de l'année, la maison qui a accumulé le plus de points remporte la coupe des 4 maisons. J'espère que chacun de vous fera honneur à sa maison. Le banquet est terminé, que tous les Gryffondors se rallent dans la salle commune de Gryffondor. On y est tous, on y est toutes les deux de Gryffondor, j'ai hâte de voir notre salle commune, allons voir ça. Que je comprends pas, c'est pourquoi... Dès qu'on choisit le sexe de notre personnage, ça va influer sur le sexe de Rohan. J'ai pas compris par contre. Allez dans votre salle commune et je pense qu'on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui en tout cas. Bon bah je pense qu'on va s'arrêter là les amis. J'espère que... Vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce jeu. Est-ce que vous avez envie d'un gameplay? Sur ce, ciao tout le monde.